Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars! Bienvenue les rois et les reines, je suis ravie de vous retrouver en ce joli mois ensoleillé de la rentrée. Bon, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Qu'est-ce que je dois chanter pour ma tessiture, Dominique? Dis-moi! Bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne et vous allez trouver des tas de petits trucs et de petites astuces pour avoir une belle voix, pour avoir une belle voix, un beau chemin où le développement personnel, la voix et l'ouverture du cœur se mêlent dans une harmonie totale, n'est-ce pas merveilleux? Mais quand même, quand on aime chanter, on se demande qu'est-ce qui pourrait bien m'aller, sauf si bien sûr vous composez vos chansons. Alors il y a plusieurs réponses à cela. D'abord, je vous dirais, commencez, si vous êtes débutant, commencez toujours par chanter dans votre langue. Arrêtez de me dire « Ah non, mais moi je ne chante qu'en anglais !» alors que vous avez un accent à couper au couteau. I'm still standing and the song is a little bit too difficult for me. Non, vous ne faites pas ça. Il faut que vous compreniez toutes les paroles et de préférence, je vous encourage à choisir une chanson dans votre langue maternelle. Ça fait vraiment un effet très différent. Vous trouvez dans votre voix, dans votre gorge, une manière de chanter qui vous émeut vous-même. Parce que c'est comme si vous entendiez votre langue maternelle, votre maman chanter pour vous. Moi, on me dit souvent, oh vas-y, chante-nous encore une chanson en créole. Et c'est vrai qu'en créole, j'ai pas la même voix. Toi, fais, toi, nationaux. Si je le disais en français, j'irais trois feuilles, trois racines. J'arriverais pas à balancer le truc comme ça. Mais quand je me retrouve en Haïti, mon pays d'origine, ça y est, je lâche tout. Alors, si jamais vous avez plusieurs langues maternelles, amusez-vous à choisir dans ces répertoires-là les chansons que vous avez entendues au tout début. Déjà, pour la justesse, ça va être plus facile. Si la première chanson qu'on vous a chantée, c'est « Au clair de la lune », allez-y, faites-moi une version de « Au clair de la lune » qui va vous plaire. « Au clair de la lune ». Amusez-vous. Et alors, après avoir retrouvé les chansons que vous entendiez enfant dans votre langue maternelle, choisissez des chansons qui vous touchent au cœur. Chaque fois que vous les entendez, vous êtes bouleversé. Mais ne vous dites pas « je veux chanter cette chanson comme l'interprète ». Si vous êtes soprane et que vous tombez amoureuse d'une chanson de Bruce Springsteen, ça va être plus difficile, d'accord? Essayez de trouver des gens qui sont à peu près dans votre tonalité. Si vous êtes une mezzo légère et que vous êtes française, je vous conseille de chanter du France Gall. Il y a des tas de chansons magnifiques. Et à l'intérieur du France Gall, trouvez un thème qui vous touche vraiment. Quand le désert avance. J'adore cette chanson parce que bon, ça parle du monde, de maintenant, de ce qui est en train de se passer. Mais chacun a une sensibilité différente. Vous pouvez aussi évidemment choisir des chansons d'hommes si vous êtes une femme et de femmes si vous êtes un homme. Mais dans tous les cas, il faut que le thème soit tellement proche de vos valeurs que ça vous paraît être une évidence de l'interpréter à votre manière. Ne copiez pas. Ne faites pas les mêmes vibes que Véronique Sanson. Si vous prenez une chanson de Véronique Sanson, par exemple. Si vous êtes anglophone, ne prenez pas l'accent canadien de un tel ou l'accent anglais de un tel. Prenez votre accent. Soyez naturel. Ce qui va bouleverser votre public, c'est votre naturel. Donc, votre exercice pour la prochaine fois, c'est de trouver la chanson que vous auriez pu écrire. Quelque chose qui paraît absolument naturel pour vous. Où vous comprenez bien les émotions. Et après, vous balancez bien les consonnes et vous ouvrez les voyelles à fond. C'est bon? À bientôt les rois et les reines. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de cloquer sur la cliche.
pour pouvoir recevoir les nouvelles de Dominique a fait une nouvelle vidéo tout de suite. Et puis mettez-moi un petit pouce, j'aime, mettez-moi des commentaires. Je lis tous vos commentaires et ça m'enchante. À bientôt les princes et les reines. Vous calégrez, vous calégrez, vous calégrez.